Eh bien, salut les vilains! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Assassin's Creed Syndicate. Nous voici avec une magnifique vue de Londres. Je sais pas sur quel bâtiment on est, mais en tout cas, il est important. Ah bah, on est au-dessus de la gare, en fait. Voilà, donc là, on va se jeter sur la mission de Jacob, qui est donc de récupérer ce fameux remède miracle. Et après, j'imagine qu'on va tuer pas mal de Templiers, parce qu'il a l'air chaud contre les Templiers, le mystère Jacob. Et puisqu'on a fini déjà toutes les missions de la séquence 4, apparemment, du côté d'Ivy, c'est-à-dire la quête au fragment d'Eden, eh bien, il ne reste plus que celle-ci à faire. Alors, je suis allé vérifier sur Internet, il y a exactement 9 séquences, comme je pensais sur le jeu. Donc, j'espère que les séquences suivantes seront plus longues, d'après ce qu'on m'a dit, oui. Parce que on est quand même qu'à l'épisode numéro 5, et on est déjà à séquence 4 sur 9. Et surtout qu'on a bientôt fini cette séquence numéro 4. Ça fait peur quand même, hein, parce que le jeu, je l'ai payé le prix fort. Hein. Attention, 70€ pour le finir en 3 heures, je vais avoir mal. Alors, toi, tu meurs. Voilà, je t'enlace l'intérieur du corps. C'est les bons vieux bugs d'Assassin's Creed comme on aime. Toi, je vais te niquer, regarde. Pouh! Headshot! Ah là là, j'ai jamais perdu ma petite visée de sniper. Je suis bon au shoot, hein, ne nous montons pas. Oh, pauvre petite fille, elle a peur. Donc du coup, la mission, elle est juste là. Est-ce qu'on va être forcé de contrôler Jacob? C'est la question que je me pose. On va pas embêter les flics, parce qu'avec leur batte de baseball miniature, ils sont assez forts. Ils sont assez balèzes. Alors Jacob cherche à découvrir qui a créé la nouvelle drogue qui fait des ravages en Londres. Ok. Il y a un Templier, pardi. Achetez le sirop calmant de Staric. Il ne boit plus que ça. Votre sirop le détruit à petit feu. Ça le transforme en simple d'esprit. Ça suffit, vous effrayez tous mes clients. Vous êtes contre le progrès, vous feriez mieux de foutre le camp avant que je vous le fasse regretter, c'est compris? Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, gredin. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu vends. Si vous permettez, madame... Effectivement, on contrôle directement Jacob, et du coup on poursuit le pauvre type qui vend ces trucs dégueulasses, et surtout s'il y a un pauvre type, c'est celui qui les a bu, putain il avait une tronche. Ah, ils ont parfaitement reproduit la tronche du mec décérébré quoi. Ok, il m'a bloqué. Ce n'est pas grave, puisqu'il y a exactement le même tunnel parallèle à celui-ci, monsieur. On est dans un jeu vidéo. Jamais tu ne pourras m'arrêter avec une porte. Hop là. Ah merde. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais? T'es con ou quoi? Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ensuite. Hop. Voilà. Non. Oh, putain. C'est cette course libre en fait. J'appuie sur croix par réflexe, parce qu'avant, croix sur les anciens Assassin's Creed, c'était pour sprinter encore plus vite. Et en fait, là, tant que je reste appuyé, je suis obligé de faire une course vers le haut. Même s'il faut absolument aller en bike, il n'y a pas de passage en haut, il va aller en haut quand même. Du coup, il est là-bas. C'est bien parce qu'on a aucun moyen de savoir qui est là-bas, on l'a perdu de vue pendant au moins 3 minutes. Mais c'est pas grave, je sais que tu es là. J'ai ma vision de l'aigle. Comment on fait la vision de l'aigle d'ailleurs? Ah, je peux pas là? Ah, peut-être que Jacob n'a pas la vision de l'aigle. C'est pour ça qu'à chaque fois on voit Ivy l'utiliser. Alors attends. Ah, et Jacob il est peut-être... Ah ouais, Jacob il est resté niveau 1. Mais ils avaient pas dit qu'on partage l'XP, c'est bizarre. Et hop, au sol mon con. Profite de tes derniers instants. Si tu me disais d'où provient ce sirop. Tout ce que je sais, c'est qu'on en livre chaque jour, là-bas, entre les gazomètres et l'asile. Oui, il a dit que j'allais le regretter, et tout d'un coup, il se pisse dessus, là. Regarde-moi, Miamol. Miamol? Bon. Alors, attendez, parce que du coup, Jacob est niveau 1. Il faut certainement lui attribuer des points de compétence, parce que sinon, on va être dans la merde, hein, dans un prochain fight... Donc attends, j'ai 12 points, voilà, mais ils avaient dit que l'amélioration ça comptait pour les deux, en fait, pas du tout. Alors c'est moi, j'ai mal lu, mais c'est ce que j'avais compris en tout cas. Du coup, ben, on va monter exactement la même chose qu'avec Ivy. Voilà, donc ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait monter d'autre? Ça, ça va... Ouais, ça c'était pas mal, ça se combine. Voilà, carnage. Donc là, voilà, on passe au niveau 2. On va passer niveau 3-4 Fissa, là. Hein. Ensuite, pareil, ça se combine. Voilà, persistance 2, plus la vie 2, voilà,
le petit boost de santé. Votre niveau a augmenté 2. Franchement, on monte le niveau super vite. Hein. Je parle pas de lui, évidemment, parce qu'on a déjà les points débloqués, mais pour Evie aussi. C'est-à-dire que pour atteindre toutes les compétences du jeu, ça se fait en 2 secondes, quoi. Carnage. Donc, attends. Ça, on continue à monter, évidemment. Voilà. Bon, je vais bientôt plus avoir de points, j'imagine. Hein. On s'était arrêté vers là avec Evie. Si c'est un ennemi avec croix, puis exécuter un combo avec outil avec triangle afin d'afficher un. D'accord. Qu'est-ce que j'avais monté avec Evie à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Votre valeur d'inscription est augmentée de 7? C'est pété ça. Ça c'est complètement pété. En plus j'ai même pas besoin de monter la compétence de juste avant là. Intimidation. Ça c'est quoi? Bon de toute façon je peux plus rien augmenter. Pardon. Et je suis au bord du niveau 4 effectivement. Je vais juste voir si je peux pas lui acheter une meilleure arme. Le pauvre Jacob, il a toujours le vieux point de fer d'initié, voilà. Niveau arme, bah il a son cru-cri, on lui avait offert un cru-cri. Celui-ci là, qui est déjà bien meilleur que son point américain. Plus 3 en été, plus 1 en attaque. Et ça, bah, celui de base, il est limite plus fort en fait. Je comprends pas trop. Point américain, mais point américain ça pue. Ça pue les points américains quand même. Hein. Attends. Ça par exemple, ça fait quoi? Ok. Si j'achète ce point américain. Ah mais tu vois Jacob en même temps point américain ça colle. Donc j'ai quand même envie de lui faire un point américain. Donc on va lui acheter celui-là. Acheter sans équiper, voilà. Putain comment ça doit bien faire mal ça. Bah ça te tue tout simplement hein. Point américain avec des pics comme ça juste tu meurs, y a pas. Y a pas plus de questionnement là. Allez on y retourne. Maintenant on a une meilleure arme pour Jacob. Est-ce qu'il a le grappin du coup? C'est la question que je me pose. Attends. Ah oui, oui, il a le grappin. Parce que du coup, Evie, elle lui avait carrément subtilisé. Wow. Il a fait une roulade. Ok, mec. Tu vas voir comment je me débrouille. Alors, attends. Donc, on est à 150 petits mètres du distributeur. Et ils étaient en avance sur l'époque. Hop. Let's go. On va peut-être activer. Alors, voilà, la vision de l'aigle. Là je suis vraiment déçu, cette vision de l'aigle est quasiment inutile quoi. Elle te passe juste ta vue en grisâtre. Alors qu'avant elle te mettait en évidence tous les points importants de la map. S'il y avait un ennemi à travers les murs tu le voyais. Là non. Là c'est useless quoi. Au moins ça marque les ennemis, c'est déjà ça. Il est niveau 5 celui-ci. Pourtant ils ont dit que la mission c'était une mission de niveau 3 mais... Ah bah voilà. Ah bah voilà, une balle dans la tête tu vois ça tue pas. Exactement le point dont je me plaignais la dernière fois. C'est un Assassin's Creed RPG, c'est-à-dire tu lui mets une balle dans la tête. Alors que c'est un jeu d'assassinat, techniquement tu lui mets une balle dans la tête, bah t'as réussi ton assassinat. Bah là non, une balle dans la tête ça suffit plus puisque le mec il est niveau 5 et toi t'es niveau 3. C'est là vraiment, je vous le dis, c'est du foutage de gueule quoi. Allez, toi je te tabasse. Hop, ta gueule. Hop, toi je te contre. Bah lui il est niveau 1 le pauvre, je sais pas d'où il est sorti, ils ont oublié de lui donner de l'XP. Ils sont 3000. Waouh. Qu'est-ce qui vous prend là d'être aussi nombreux? Et merde. Voilà. Toi ta gueule. Oh là là. Merde. Heureusement que j'ai beaucoup de vie hein. Il a du tank Jacob. Parce que là franchement c'est galère hein. Oh là là c'est galère. J'esquive. Mais en fait j'esquive pas, je tire à mon tour. C'est très bizarre. Je vais bientôt plus avoir de balles hein. Toi ta gueule. Oh je vais y arriver. Je vais y arriver putain. Ah salopard. Perce ses défenses. Toi ta gueule. Toi je t'achève. Hop. Toi je te contre. Hop. Allez. On va d'abord finir les merdes là. Raté mon con. Maintenant je t'enchaîne. Comment là il est mort 3000 fois quoi. J'ai pris 5 coups de mon poing américain avec 5 pics dessus. Comment on utilise? Ah voilà, putain. Depuis tout à l'heure, je stressais, j'étais en train de me dire comment on fait pour utiliser le remède. Salopard. Je t'aurai. Allez, crève, s'il te plaît. Le contre. Allez. Et putain, mais... Il y a juste deux frames quoi, c'est inesquivable ce coup là. Vraiment des fois quand tu tapes trop un ennemi, il te fait un coup mais laisse tomber. Alors du coup, il y avait un objet important
qu'il fallait récupérer, voilà. Je sais pas ce que c'est. Il y a même pas écrit en haut à gauche. Bon. Responsable de distribution. Le responsable de distribution connaît l'emplacement de la distillerie du sirop calmant de Starry qui fréquente le club de combat de la fonderie de South Ark. Ok, je vais aller fouiller un petit peu tous les cadavres. Putain, j'ai quand même fait un beau massacre. Il me faut des remèdes là. Trouvez le remède. Allez. Je trouve mes balles là. J'ai besoin d'un remède s'il vous plaît. Alors il y en a marre des balles. Un remède s'il vous plaît. Lui il a un remède. C'est bien égal d'avoir un remède. Il a pas de remède. Génial. Allez, je me tire. Allez. 480 petits mètres. Alors maintenant, j'ai remarqué aussi un élément dans le gameplay et surtout dans le mapping de ce jeu là. C'est que puisqu'ils ont ajouté le grappin, ils ne se sont pas cassés la tête à mettre des immeubles collés les uns aux autres. Ce qui fait que tu peux plus faire tes déplacements de Yamakaki comme avant, t'es obligé d'utiliser le grappin. Puisque les immeubles sont vraiment ultra espacés les uns aux autres, tu peux plus sauter d'immeuble en immeuble en fait. Je trouve ça triste un petit peu. T'es obligé d'abuser de ton grappin si tu veux aller vite. Toi, ta gueule. J'espère que vous avez des remèdes parce que... Oh, c'était ce qui... tiens, ta gueule. Toi, tu meurs. Et ça devient chaud direct, hein. Il faut appeler à mes réflexes de fin d'Assassin's Creed, là. Voilà. Parce que là, des fights comme ça, putain, t'as l'habitude de les taper vraiment... sur quoi? Sur les deux dernières heures du jeu. Je vous dis, c'est chaud, hein. Je suis à l'affût. Lui, il s'en bat les couilles, il reste en garde, c'est même pas lui qu'on tape. Allez, bon con, on va te finir. Hop, hop, viens par ici. Coup de pied dans... Coup de coude. Non, comment on appelle ça déjà? Le genou. Voilà. Coup de genou dans les couilles. J'ai fait... Oh, vous avez vu ce qu'il y a écrit en bas à droite? Remettez la vidéo en arrière, j'étais en combo x 100. Je venais de faire un combo x 100. Je savais même pas que c'était possible. Genre, j'ai envoyé 100 putains de coups, quoi. Elle est importante, faut que j'aille la chase. Toi, je vais te finir en flingue. Ouais, attends. Tu me laisses recharger, s'il te plaît? Voilà, ta gueule. Vite! Reviens là! Madame! Je suis obligé de la plaquer au sol? Ah oui, ça a l'air d'être un personnage important. Ramener à cible en vie, ouais. Vas-y, on va faire ce petit objectif secondaire, parce que personnellement, je lui aurais mis une balle... Une petite balle dans le cul. Ça l'aurait calmé. Hop! Viens avec moi. À la Metal Gear Solid. Hop. Je te porte et on va la ramener où du coup? Par ici. Qu'est-ce que c'est que cette lumière là? C'est quoi ça? Ah c'est... Non? C'est un voyage rapide? Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Regardez la charrette divine! Enfin divine, mais quand on regarde le rayon vraiment de plus près, bah il disparaît, c'est chelou. Ça paraît d'être un bug parce que sur la map, il n'y a rien notifié ici, vous avez vu? Là où il y a la chatte avec une putain de lumière, bah il n'y a rien. Il n'y a pas un petit logo pour t'indiquer si c'est un voyage rapide ou quoi que ce soit. C'est de la pure magie, de la pure sorcellerie. Du coup, c'est encore par là. Merde! C'est quoi, on va laisser un peu par terre? Ils sont où là? Ils sont les mecs que j'ai tués? Ils ont déjà des pop? C'est une blague, j'avais besoin de remède. C'est quoi, je vais te fouiller toi? Ah bah voilà! Il suffisait de demander. Ah bah voilà à quoi servait cette lumière, c'était pour placer le corps dans le véhicule. Par contre ils sont en train de me casser les couilles parce que j'ai beau spammer à touche pour porter. Ça marche une fois sur trois et quand je rentre même dans un gamin de 5 ans... Je lâche le corps, quoi, comme si je venais de faire le plus grand choc de tous les temps. Alors qu'en plus, j'avance à 2 à l'heure, hein, mais bon. Du coup, maintenant, j'ai compris, c'était pour m'indiquer, va dans la voiture. Et c'est ce qu'on va faire. On va gagner du temps. Oh! Ah merde, je l'ai fait tomber. Vous avez vu, c'est... Ah, putain, c'est trop stylé. Imaginez, on peut le conduire, ça serait vraiment trop drôle. Du coup, je cache le corps ici. Voilà. Et en voiture, les amis. En voiture. On va se faire courser. Il attendait que ça, lui. Allez, hop.
Ça ne l'a pas tué du tout. Il doit être de niveau 7. Fuyons. Il est beaucoup trop fort. Fils de chien. Je vais te percuter. Allez. Oh, c'était un de mes alliés là, gauche. On l'a pris en sandwich. Avec un hooks. D'accord. Mais toi, ta gueule. Oh putain. On fait la guerre dans la TSI. Oulala. Oulala. Crève. Vas-y, là, on va descendre. Ah, oh, ils ont ramené tout le peuple déjà. Le remède. Allez, let's go. C'est bon, ils sont niveau 2. Ça devrait le faire. Non, mais là, j'ai appuyé sur triangle, là. Vous foutez de ma gueule. J'ai déjà perdu toute cette vie, là. C'est un rook, ça. Je crois que c'est un rook, soit il va m'aider. Ah, j'ai plus de vie, faut que je me barre. Hein. J'ai réussi. Tous mes remerciements. Quoi? Ah, j'ai fait un autre objectif sans m'en rendre compte, d'accord. Et du coup, je viens de... Ok. En fait, pendant ma mission principale, bah, il y a une mission secondaire qui s'est incrustée. Et c'est pour ça que je vais choper la meuf, là. D'accord. Tout s'explique. Bah, ok, bah, du coup, on va reprendre la quête principale, maintenant. On remonte en voiture. Attends, je vais peut-être les fouiller. Est-ce qu'il y a des cadavres? Des jolis petits cadavres. Ah, bah, voilà, les voici. Hop. Toi, je te fouille. Allez, vous êtes le genre de personne à avoir des remèdes, n'est-il pas? Un petit remède. Pour me faire plaisir. Allez. Le petit remède des familles. Non? Bon. Toi, je vais te recruter. T'es mon pote. Tu m'as sauvé sans que je te demande rien du tout. Donc, t'es cool. Effrayer les quoi? Effrayer les brutes. Vas-y. J'ai pas que ça à faire de ma journée, moi. Hein. Je vais faire le bon samaritain avec tout le monde. Laissez passer. Oh, let's go. Allez, au revoir le monde. Moi je trace en ligne droite. Même si c'est même pas censé être une route. Je m'en fous. Par contre là ça va être compliqué. Voilà. Je tue tout le monde, c'est abusé. Je vais bientôt avoir les hélicoptères à mes trousses. Pas ici. Hop. Hop 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 hop. Et là, est-ce que le cheval peut passer? Ça serait magique hein. Ah il peut pas. Il peut pas du tout. Et vous avez vu ce que... Le cheval il fait des étincelles quoi. C'est une vraie c'est un tank le truc. Ok. Toi tu viens avec moi, t'es mon pote le Rux. Allez viens. Let's go. Eh. Allez tapez. Allez Rux. Je vais te tuer. Et moi je suis derrière comme une tapette. Ha. Tu m'as pas vu venir hein. Ah là, t'es mort. Tu t'es pris un coup de couteau fantomatique. Lorsque vous vous trouvez derrière un ennemi sans avoir été détecté, appuyez sur rond pour l'enlever. Orienter. Ça, ils m'ont expliqué déjà. Parce que j'ai vraiment besoin de faire ça. Localiser le responsable de la distribution. Donc, voilà, ça a rien à voir. On va utiliser le grappin déjà. Et moi, j'utilise R1 parce que je crois que R1 c'est le grappin dans Batman en fait. Et en plus, ça se voit qu'ils se sont inspirés du Batman. Les Batman Arkham, puisque il y a exactement le même logo pour t'indiquer que tu peux utiliser le grappin. Vous voyez, le logo en haut qui te montre à peu près quel obstacle, à quel obstacle tu vas te raccrocher. C'est exactement ça. Ils ont juste mis L1 au lieu de R1. Je suis persuadé que dans Batman, c'est R1. Jusqu'à chaque fois, je me fail de touche. Et qu'il n'y a pas longtemps, on s'est fait les Batman. Alors, du coup, vision de l'aigle. Hop, où sont les ennemis? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est moi l'assassin, redescends tout de suite, toi t'es qu'une merde. Descends, je te dis, là. Bon, vas-y, fais ton beau gosse devant la caméra. Bah y'a aucun ennemi, c'est une blague. Alors, tu peux me suivre ici, hein? Non, tu peux pas, parce que t'as pas de grappin. Alors. Mais c'est pas possible. Bah il est où, ce chef de la distribution, là? Alors, soit ma vision de l'aigle a une portée limitée, chose qui n'est pas prouvée, puisque quand j'appuie, toute ma vision est... Ah oui, en fait, elle a une portée limitée, effectivement. Parce que quand j'appuie dessus, ça fait un sonar sur toute la map. Mais en réalité, si je suis pas à côté des ennemis, ben, je ne peux pas les détecter, déjà. Donc toi, bah tu vas mourir. Hello, guys! Adios, amigos! Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais te fouiller.
Le remède, le remède. Eh bien non. Lui, il me suit toujours. Là, il y a un fight, je passe au milieu. Salut. Toi, tu permets, tu crèves, voilà. Le chef de la distrie doit être dans ses loges, là, j'imagine. Ça paraît logique. Hop, on va pas ici. C'est sympa, franchement, au tap, tu vois deux brutes qui se tapent, c'est plutôt cool. Franchement, c'est mieux que la télé, je pense. C'est même moins débile. Allez, dégagez. Qui est le chef de la distribution ici? Personne. Je peux pas le récupérer. Hein. Ah oui, évidemment, j'ai pas monté le crochetage. Poussez-vous. Attends, il y a encore un étage, là. Encore un petit étage. Et putain, mais c'est immense, quoi. Je trouverai jamais ce chef de la distri. Chef... Ah, le voilà. Donc, voilà, il faut l'enlever, lui, effectivement. C'est pour ça qu'on a eu la petite intro. Donc, là. Hop. Attends. Enlève-le. What? Oh, ce bug. Enlève-le, je te dis. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas. Bah voilà, il s'enfuit. Il va falloir que je le plaque au sol. Je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Pas d'objectif secondaire cette fois-ci. Viens par là, salopard. Yeehaw! Plongeon de gardien de but. Et là, du coup, il faut l'attraper derrière. Non? Dépêche-toi de parler. Sinon. À la distillerie, le grand bâtiment à côté de la brasserie. Oh, tout le monde touche, je m'achoue à la là. Ça, Assassin's Creed se prête pas à peine de mettre des petites cinématiques entre chaque objectif, ce qui fait que, voilà, tu te retrouves le mec, il a peur comme ça, et t'es derrière, tendrement. Tu le caresses, tu caresses son dos. C'est ridicule, mais bon, que voulez-vous. Ah, j'ai un nouveau point américain, bah on va voir ça. J'ai certainement de nouveaux points de compétences aussi. Je pense qu'on va passer le niveau 4. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Exécution, blop, ça c'est mieux, je pense. Voilà, le petit niveau 4 des familles. Quoi? Je passe pas le niveau 4, il me manquait un chouïa. Un poil de mouche pour passer. Je monte une compétence, ça suffit pas. Donc, niveau arme, le nouveau point américain, c'est celui-ci. Qui coûte 1000. C'est exactement le même. Lui, il y a des méga pics. Lui, c'est pas des méga pics. Et ils sont censés faire aussi mal un que les autres. Je comprends pas l'utilité. Mais si on veut. Du coup, mission accomplie. J'ai l'impression que oui. Hein. On a encore une nouvelle mission avec Jacob. Par contre, sélection pas naturelle. Bien, on va faire ça. Dépichons-nous un petit peu. Ça doit être en fait à chaque séquence un truc du genre deux missions d'Ivy, deux missions de Jacob. Puis peut-être un gros assassinat. Je sens un truc comme ça, ouais. Genre au début ils sont séparés, à la fin il doit y avoir une sorte de grosse mission à chaque fin de séquence où ils sont tous les deux ensemble. Où ils se rendent compte que finalement leurs objectifs diffèrent mais se croisent. C'est tellement beau ce que je dis, mais je suis sûr que dans leur tête c'était ça. À la tête des développeurs, ils ont fait ouais, en fait, Jacob et Evie, ils sont jumeaux, mais en réalité, ils ont des opinions et des ambitions complètement différentes. Mais malgré ça, en réalité, ils se rendent compte que leurs ambitions se croisent. Waouh, c'est trop beau, mec! Vas-y, on va faire ça! Mais c'est là qu'on va voir si mon avis est. Ben, c'est là où on va confirmer mes soupçons ou non. Tout simplement en faisant cette mission et en constatant la suivante, mais je suis persuadé que ça va être ça, vraiment persuadé. Toujours des missions où Jacob et Fry sont séparés, et à chaque fois ils vont se rendre compte qu'en fait, toutes leurs investigations mènent au même endroit et ils vont devoir s'allier pour la dernière mission. Ça coule de source. Jouons à ça, voilà. Donc on est toujours à la poursuite du créateur du sirop. Restez aux aguets, les gars. Quelqu'un s'en prend à nos petites affaires. La distillerie risque d'être visée. Attends, c'était la voix du mec stock et chauve, ça? D'accord, c'était le doublage le moins convaincant du monde. Ouais, les gars, attention, hein.
Attends, mais mec, t'as oublié de manger ta testostérone ce matin? Bah écoute, c'est pas ma faute. On m'a castré quand j'étais petit. Allez, c'est parti. Hey, bitches motherfucker. Hey, bitches motherfucker 2, d'accord. Bon bah j'ai quand même monté la compétence double assassinat, mais elle ne fonctionne pas apparemment. Toi, tu dégages. Toi, je te contre. Pas de pitié pour les femmes. Tu viens de battre, je te tape. Hop, hop. Ah, j'ai un Rooks avec moi. Allez, le Rooks. Allez. Vous êtes les meilleurs. Oula. Oh non, mon Rooks. Mon Rooks adoré, tu es mort. Pourquoi? Mais. Déjà, vous allez arrêter de me casser les couilles. Pour commencer. Toi, je te contre. Oh putain. Mais. Tiens, voilà, dans ton cul. Hop, hop, hop. Toi, je t'étourdis direct. Oh. Cassage de bras. Wow. Elle a complètement bugué, j'ai mis une sorte de quick. Elle est partie dans le tonneau. Toi, tu viens là. Hop, 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 hop. Je t'arrache les yeux. Tu viens ici. Et bim. Ok. Par contre, quand les personnages, enfin quand les méchants Assassin's Creed crèvent, leur corps part tellement en couille, comme dans Call of, en fait, ils sont complètement désarticulés, ils partent dans tous les sens. Alors, on va ramasser tout. Je vais ramasser ce qu'il a sur lui aussi, le Rooks. Ah, on peut pas. Merde. Je voulais rendre ces objets à sa famille. Ce qui est totalement faux, mais bon. C'est triste de pas pouvoir le faire quand même. Et je fais des génocides à chaque déplacement. Hein. Ça, c'est dans la poche. On va récupérer ça aussi. Ah, mon remède. Mais non, mais... Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu le reposes tout de suite. Je veux ses affaires. Voilà. Et toi aussi. Parfait. Allez, attends, je suis couteau de lancer au complet. Alors, attends, comment on fait pour switch? Non, ça, c'est un sifflet. Voilà, attends. Voilà. On va prendre les couteaux de lancer. C'est discret et apparemment, je suis full, donc... il vaut mieux utiliser, quoi. Vous ne devriez pas effrayer ainsi les respectables gentlemen, jeune homme. Je ne savais pas que fouiner était une activité respectable. Fouiner? Monsieur, je vous assure. Soyez vigilants. Vite, à l'intérieur. Il s'en est fallu de peu. Ah, jeune homme, vous m'avez flanqué à la frousse. J'ai bien cru que vous étiez l'un d'eux. Mais je comprends maintenant. Ça y est, c'est déjà notre allié le mec, on voit un barbu chelou. J'imagine. Il m'a l'air sympathique. Ah, en plus c'est vrai, il a l'air trop sympa. Oui. Qu'y a-t-il, vieil homme? M'appelle jeune homme, donc je me permets, hein. Qu'est-ce? Une mécanique impressionnante, ne trouvez-vous pas? J'ai déjà vu mieux. Pourquoi elle s'enlève plus la vision là? Oh là, d'accord. J'avais une vision de l'œil continue. Ou herbe au fou, comme on l'appelle couramment. Ce sirop en contiendrait? Et de l'opium, diantre! C'est honteux. Absolument ignoble. C'est pas que je m'ennuie là, mais faudrait que tu te dépêches. Cette approche vous semble-t-elle pertinente, jeune homme? Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Grand Dieu! Eh bah, GG! Qu'est-ce que je fais maintenant? Saboter. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Putain, il était pas pressé le vieux, hein? Ouf, il m'a fait bailler en 2 secondes. Hey! Et vous étiez là, mes amis? Vous m'avez tellement manqué. Eh, hey, toi ta gueule. J'aime les types d'Assassin's Creed qui attendent que tu défonces leurs potes avant de te taper. Et merde, j'ai appuyé sur le contre en plus. Toi. Voilà. Coup de boule. Et tu crèves. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ennemis là? Déjà on va saboter ça. J'imagine qu'il y a les mêmes ennemis de l'autre côté. Hein. Voilà. Ensuite. Hey, bitch motherfucker. Voilà. On va fouiller.
Hop hop hop. Merci pour mon coup de lancer. Ensuite. Elle était seule. J'ai du mal à le croire. D'accord. Donc je suis supposé. Voilà, saboter ça. Eh bien, en avant. Puis encore l'étage supérieur. Alors. Vas-y, utilise le grappin. Comme ceci. On va faire tous les étages là, parce qu'il y en a encore un. Ouais, il y en a encore un, ça va. Trois étages quoi. Les bons vieux classiques du jeu vidéo. Hop. Hop. C'est tellement facile. Allez. Merci pour mon couteau lancé. Et j'imagine que tu vas me le rendre toi aussi. Ah non. D'accord. Son crâne devait être trop dur, il l'a pété. Ok. Son crâne chauve de Saitama de One Punch Man. Eh, bonjour, au revoir. Je me sens comme Mice Hughes de Full Metal Alchemist avec mes petits couteaux. Allez, on sabote celle-ci. Voilà, parfait. Et on sabote celle-ci. Ah! Ce serait les dernières. En fait, c'était les dernières, je pense. Oui ou non? Eh ben non. La voici, la dernière. Je peux pas utiliser mon grappin? Perqué. C'est pas grave, il y a l'escalier juste ici. Hein. Arrêtons de faire nos flemmards. Alors... Bonjour. Toi tu crèves. Toi, mais ils réagissent pas hein. Ah, ils s'en battent les couilles de la mort. C'est abusé. Ils ont peut-être bu du sirop hein. C'est possible. Parce que là pour avoir un temps de réaction pareil commence à me faire peur hein, les Templiers quand même. Ah, je vais reprendre mon flingue. Voilà. Hop hop. Salut toi. Ta gueule. Allez, on sabote. Allez, chacun pour soi. Ok, faut se barrer. Bien joué, mon garçon. Quel audace ! Charles Darwin, enchanté de faire votre connaissance. Jacob Fry, tout le plaisir est pour moi. C'est Darwin, ça ? J'ai trouvé ceci. Il y est écrit qu'un échantillon de chaque lot est envoyé à l'asile de Lambeth. Ah, je me demande si c'est l'heure des visites. Pas de précipitation, monsieur Fry. Le personnel est fort nombreux à Lambeth. Il serait regrettable d'attirer l'attention. Mais alors, où serait le plaisir? Tout problème ne peut être résolu à grand renfort d'explosion. Parfois, la discrétion est plus appropriée. Il se fait tard. Je vous retrouverai à l'asile pour y poursuivre nos investigations. J'espère qu'ils ont lu des différents ouvrages traitant de la personnalité de Charles Darwin, parce que j'imaginais pas Darwin, le génie incontesté de la recherche en biologie, être un mec excentrique, c'est un clown. Tu sais, moi je m'attendais, tu t'allais discuter avec lui, il allait te prendre la tête pendant une heure, que t'allais apprendre le sens de la vie en lui parlant. Le mec c'est un clown. Hey les amis, alors je vous fais un petit tour de magie. Hop, il y a une pièce, et bien il n'y a plus. Ouh, c'est carrément ça quoi. Waouh. J'ai vu le nom s'afficher, j'étais comme ça. Charles, c'est toi? Ok, ça c'est surprenant, mais bon, on va accepter leur choix. Peut-être que même si on n'est pas hein, comme j'ai dit, peut-être qu'ils se sont vraiment référés à des ouvrages traitant de Charles Darwin, et peut-être qu'ils étaient vraiment comme ça, je sais pas, j'en sais trop rien. En tout cas, ça dépasse mon imaginaire là. Je pensais pas du tout voir un Charles Darwin excentrique, mais bon. En tout cas, nous on va se laisser là pour cet épisode Assassin's Creed Syndicate. J'espère qu'il vous aura plu. On reprend les formats de 35 minutes qui sont les mieux adaptés. Hein. Les vacances sont déjà terminées pour certains. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, même si c'est en retard. De bons petits cours, et je n'ai plus une seule chose à vous dire, les amis. Tchuss!
Et à la prochaine.